Si je fais un petit résumé de ma chasse à l'ours 2022, les deux premiers soirs, on a eu de l'action, mais les ours savaient qu'on était là, on est juste à 10 mètres du baril, donc on n'a pas place à l'erreur. C'est probablement ça qui a nui à notre chasse. Après ça, on a passé plusieurs jours sans avoir d'action. Le dernier qu'on a vu, il n'y avait pas une belle fourrure. Fait que cet ours-là, on l'a revu sur les caméras par la suite. Puis c'est un ours qui a carrément changé de couleur. Ensuite, nous est arrivé quelques péripéties durant la chasse à l'ours. Il y a un soir, j'ai été apporté, puis je suis arrivé sur une mer avec deux petits. Après ça, ça l'est arrivé quelques fois qu'on s'en allait au pick-up le soir après notre chasse, qu'on était en train de ranger nos affaires, puis qu'on entendait comme un grognement. Puis plus ça allait, plus ça se rapprochait du pick-up. Je vais vous mettre une petite séquence vidéo, écoutez bien, parce que c'est vraiment pas fort. C'est ce qui conclut ma chasse à l'ours 2022. On n'a pas récolté parce que malheureusement on n'a pas vu les ours qu'on avait comme cible. Mais c'est pas grave, on s'en reprend l'année prochaine. Puis on se revoit pour la chasse à l'ornière. À la prochaine!